Après avoir acquis à sa cause le MFA, l'UDC, le RDA, l'UDPCI et le groupe parlementaire Dialogue, Albert Mabry-Touakeuse vend son projet de candidature unique au sein du RHDP pour la prochaine présidentielle aux maires et aux conseillers municipaux. Un mouvement est déjà créé au niveau des maires de Côte d'Ivoire pour accompagner notre initiative. Et nous allons fédérer tous ces mouvements sur une plateforme qui va donc accompagner la candidature du président Alassane Ouattara. J'ai saisi l'occasion donc pour les inviter à ratisser large et à faire en sorte que le maximum des conseillers municipaux de Côte d'Ivoire adhèrent à cette cause. Une démarche qui semble avoir reçu écho favorable. Le message du président de l'UDPCI a été entendu. Je ne doute pas que cette rencontre va aider à amplifier le mouvement au sein de la famille de Livi Kossi. Nous adhérons totalement à cette initiative. En tant que membre du mouvement des maires, nous avons une autre ambition, et une candidature unique au niveau de RHDP pour que le président Alassane Ouattara soit celui là même que nous avons décidé de soutenir. Albert Mabry-Touakeuse poursuit ses rencontres. Dans son agenda, des échanges avec le PDCI, mais aussi avec des partis politiques qui n'appartiennent pas à la famille des oufouettistes.